Salut à tous, c'est Pete Gamer. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Wallbrecht qui va se passer à l'Army Nation, là où il y a le stand de tir. Donc c'est juste ici sur la map. Donc tout le monde sait où c'est, hein, mais je la mets quand même. Voilà. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une moto. Donc vous allez prendre votre moto et en fait vous allez aller pousser un peu la porte de l'Army Nation, voilà. Ensuite, vous allez prendre à la limite. Un sniper. Et vous allez allumer le gars. Une fois que vous l'avez eu, vous pouvez rentrer dans l'Army Nation avec votre moto. Donc vous allez rentrer, vous allez venir jusqu'ici. Voilà. Et vous allez aller vous placer comme moi. Donc là, faire une petite marche arrière. Là, vous allez reculer au maximum. Là, voilà. Donc maintenant, une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement appuyer sur Start. Vous allez aller dans En ligne, Activité, Jouer activité créée par Rockstar. Vous allez aller dans le mode Rivalité et vous allez aller mettre l'abus de pouvoir numéro 2. Alors, abus de pouvoir. Là. Abus de pouvoir numéro 2. Vous le lancez. Tac. Voilà, vous avez, une fois que vous êtes ici, vous allez attendre d'avoir la touche rond pour pouvoir quitter. Donc là voilà, on a rond, donc on va quitter l'activité, oui. Et là quand vous allez respawn, en fait vous allez respawn dans un wallbrush qui va être un petit peu en fait au niveau de du stand de tir quoi, voyez. Donc là on est là, vous voyez là on se retrouve dans le stand de tir. Et si on met la vue à la première personne, on peut voir tout le stand de tir en fait quoi, vous voyez là. Donc là c'est le stand de tir quoi, c'est là où on s'entraîne et tout. Et là on peut être allez. Donc là par contre on n'a pas de texture quand on est dans l'Army Nation, on voit juste bon si quelques armes, vous voyez on voit quelques armes et tout, mais bon toutes les textures, la plupart des textures s'en vont. Mais ici par contre on voit à peu près tout quoi. Donc par contre il faudra faire un petit saut pour y aller, il y a la moto qui est toujours là. Après si vous voulez changer de vue, voilà vous pouvez repasser à cette vue là. Et là du coup vous pouvez prendre vos armes et allumer. Ah je crois pas que ça passe. Du coup ça passe pas ici. Donc ça passerait. Ça passe que devant. Ah non, ça passe pas. Là, je croyais que. J'avais le souvenir que les balles passent. Excusez-moi. J'avais le souvenir que les balles passaient, mais non, en fait, les balles passent pas. Et bon, autrement, c'est quand même relativement grand. Hein. Donc c'est dommage que les balles ne passent pas. C'est le côté un petit peu dommage. Mais autrement ça reste un bon petit wallbrush à venir voir et tout, et j'aime vraiment cette petite le fait de pouvoir mettre la vue à la première personne et d'avoir le dessus du. Vous voyez là cette fois il y a de la texture. Cette fois il y en a un peu plus, voilà, donc ça dépend des fois du coup. Lui il est revenu. Là il me voit mais je sais pas s'il peut me tirer dessus du coup. Non, on peut pas lui tirer dessus. Donc là, hop, un petit saut. Vous voyez, donc des fois la texture qui bug un petit peu. Vous voyez, là, il n'y a plus ma moto. Donc ça fait bugger un petit peu en fonction de quand vous appuyez sur la vue à la première personne. Et là, la texture, elle est repartie.
Là, on a quand même le bureau. Oui, là, on peut voir le bureau, là. On peut pas le voir tout le temps, et là, on le voit plus. Ça dépend vraiment des moments. Donc, ça fait vraiment un petit wall brush assez sympa. Donc, bah, n'hésitez pas à venir voir, hein. Et donc, voilà. Donc, après, par contre, pour en sortir, il faudra vous suicider. Et voilà pour ce wall brush. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!